Salut tout le monde, donc on va voir ce qu'on a pour ce dimanche 10 novembre. Qu'est-ce qu'on a en ce week-end prolongé spécialement pour ce dimanche 10 novembre pour les membres du jardin céleste? Comme tous les matins, je demande au divin de bannir toute personne ayant des intentions négatives en regardant cette séance, toute personne ayant un cœur noir, la jalousie et la haine dans leur cœur, et que ces séances soient uniquement pour les personnes qui ont le désir d'évoluer pour leur plus grand bien. Que le message soit clair, net et précis, et je demande au divin de me protéger pendant que je délivre le message. Et de protéger et de bénir aussi toutes les personnes regardant cette vidéo avec de bonnes intentions. Ainsi soit-il. Qu'est-ce qu'on a pour le dimanche 10 novembre? On a science. Ok. Mathématiques, cartésien, science, astrologie, médecine, savoir et instruit. Ok. Je vais garder ça. Philosophie, astronomie. Alchimie, science. Qu'est-ce qu'on a pour ça? Ok. Donc en dessous on a le pendu, donc un temps de pause ou un temps de réflexion, quelque chose n'avance pas, quelque chose est en suspens. C'est l'énergie des poissons, donc Neptune, on va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a pour science et pour ce dimanche 10 novembre? On a le 3 d'épée, le 8 de bâton et les amoureux. Le 6 de coupe et le 6 d'épée. Un choix. Il y a une personne qui fait un choix qui n'est pas forcément facile. Ça peut être un gémeau, mais ça peut être simplement l'énergie, puisqu'on a science, donc l'énergie de Mercure, quelqu'un qui réfléchit énormément. Et c'est ça à quoi j'ai pensé au début. Parce qu'on voit sur la carte qui est là, une personne qui regarde ou qui est en pleine réflexion. Donc j'ai l'impression qu'on est plutôt dans l'énergie de Mercure, on a la roue de la fortune là concernant une décision, quelque chose qui doit changer, quelque chose qui va changer pour durer. En général, la roue de la fortune à l'endroit, c'est quelque chose de positif. Ça parle de protection aussi. Il y a une personne qui, avec le 3 d'épée, doit faire peut-être un choix de se séparer ou faire un choix qui n'est pas forcément très agréable, que ce soit pour vous ou inversement. Le 6 de coupe parle de nostalgie et le 6 d'épée parle de s'éloigner. La seule chose qu'on n'a pas, ce sont les deniers pour le moment. Et apparemment, cette personne a autant mal émotionnellement que mentalement. Il y a quelque chose qui perturbe cette personne au niveau du cœur. Ça peut être une séparation aussi, une rupture. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se prend la tête énormément et qui décide normalement au final de s'éloigner des conflits, de laisser le passé derrière, qui fait le choix d'abandonner, de partir de quelque chose de conflictuel. On va voir. Qu'est-ce qu'on a au niveau du 3DP? Ça veut dire quoi? Le 3 des épées, le 7 de coupe, le 5 d'épée. Une personne qui décide, c'est comme si une personne décidait d'arrêter de se battre et ça lui fait de la peine. Donc ça peut être arrêter de se battre pour une relation.
où une personne essaie, une personne arrête de créer des illusions et met un terme à tout ça. Clarifie le 7, le roi des épées. Clarifie le 5 des épées. On a la force à l'envers, le 2 des épées à l'envers, le 6 de bâton à l'envers, l'ermite à l'envers, la mort à l'envers, le 10 de denier à l'envers. Le 10 de denier à l'envers, ça veut parler de pauvreté, de famille aussi brisée. La force à l'envers parle d'une personne qui n'a plus le courage de... J'étais en train de clarifier le 5 d'épée. Avec le 7 le 7 de coupe et le roi des épées, il y a une personne qui soit ne peut plus créer d'illusions, soit fait le choix fait un choix drastique. Et ce choix avec le 5 des épées, c'est quelqu'un qui est fatigué. Le 2 des épées, quelqu'un qui n'est plus dans le flou. Le 6 de bâton, quelqu'un qui sait qu'il perd. L'ermite, quelqu'un qui réalise. L'ermite à l'envers, ça peut être aussi une mauvaise décision en justice, mais ça peut être aussi une personne qui n'a pas fait quelque chose de très intelligent, de très sage. Avec la mort, par contre, c'est quelqu'un qui refuse la fin de quelque chose. Mais c'est une personne qui sait que financièrement, ou soit c'est une famille qui est brisée, soit c'est financièrement la pauvreté. Et avec la mort, c'est quelqu'un qui refuse. C'est bizarre parce que cette personne n'a plus l'énergie de se battre. C'est le forfait. Et c'est une personne qui se rend compte que peu importe ce que je fais, avec la force, la boule de 5 des épées, la bataille, je n'arrive pas à gagner. L'ermite à l'envers parle d'un manque de sagesse, d'un manque d'introspection. Ou quelqu'un aussi qui sort de sa grotte. C'est possible que quelqu'un, là, prenne une décision, mais c'est une personne qui prend une décision limite parce qu'elle est forcée de le faire, soit parce que sa famille est brisée, soit parce que c'est une personne qui financièrement a beaucoup de problèmes, énormément de pauvreté. C'est quelqu'un qui ne gagne pas et qui le réalise, qui se rend compte que je peux plus continuer comme ça. Avec le 3 des épées, c'est une personne qui abandonne la bataille parce qu'elle ne peut plus continuer comme ça, elle ne peut plus se battre, elle n'a plus les moyens financiers, elle n'accepte pas forcément la solution, le choix, ou elle n'accepte pas forcément la situation, mais c'est une personne qui se rend compte qu'elle ne peut plus se battre, elle ne peut plus y arriver, j'y arrive pas, j'arrive pas à me battre, j'ai plus l'énergie, j'ai plus les finances, j'en peux plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Clarifie le roi des épées avec le 6, le 7 de coupe. La reine de denier et le chevalier des épées. Si c'est vous, vous allez recevoir une communication assez rapide concernant votre stabilité. Vous allez peut-être pouvoir créer une entreprise, vous allez peut-être pouvoir créer quelque chose de matériel. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, mais c'est aussi la création. Et la reine de denier, c'est quelqu'un qui travaille manuellement aussi, qui crée, qui a la paix. Vous allez peut-être recevoir un message qui vous dit que vous allez pouvoir changer de vie ou créer quelque chose qui va vous apporter énormément de stabilité, qui va vous apporter la paix, la possibilité même d'avoir un environnement où vous allez pouvoir vivre en paix. Parce que la reine de coupe, c'est la reine de denier, c'est pas une personne qui aime le bordel ou l'agitation, c'est quelqu'un qui aime simplement avoir la paix, c'est possible que vous puissiez créer ça. Vous allez soit devoir prendre une décision rapide, soit quelqu'un va vous communiquer rapidement que vous allez pouvoir enfin peut-être créer quelque chose ou créer une vie calme. Le 5 de coupe et la justice. Il y a une personne qui n'est pas contente qu'une décision n'aille pas en sa faveur. C'est une personne aussi qui n'est pas contente. Ça peut être simplement ouais, une personne qui légalement doit faire le choix d'arrêter de se battre parce qu'elle ne gagne rien, et c'est une personne qui va vous dire que vous avez gagné. Ça veut dire quoi pour vous? L'as de bâton, le 5 de coupe et la justice. Le 9 de denier, ouais, le 9 de denier et la reine de denier, ça pourrait pareil. Pour certains, vous allez enfin pouvoir avoir peut-être
créer votre entreprise et être totalement indépendant et prospère, mais ça va vous demander beaucoup de boulot. Pour d'autres, ça va être vous qui allez peut-être avoir un appartement, une maison, vous pourrez limite avoir votre jardin, cueillir les fruits, avoir la paix, sans personne qui vous emmerde. Mais il y a une décision en justice qui vous permet d'être abondant et prospère de façon indépendante, mais pour certains, ça fait un moment que vous travaillez là-dessus. Et face à vous, vous avez une personne qui essaie de lutter pour pouvoir vous empêcher d'être indépendant ou vous empêcher d'avoir une maison ou un appartement ou quelque chose que vous voulez, une chose sur laquelle vous travaillez, et c'est une personne qui est déçue. Mais ça fait longtemps parce que on a la force à l'envers qui parle de lutter face à son adversaire, mais intensément, on a le 9 de deniers qui parle d'accomplir ses buts. On a même, vous voyez sur la carte, on a une sorte d'escargot, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous travaillez, lentement mais sûrement on y arrive. Et pour certains, c'est bientôt l'heure de récolter le fruit de votre dur labeur. Ça peut faire peut-être 9 ans, 10 ans que vous travaillez ou que vous essayez de faire quelque chose de façon indépendante et vous allez pouvoir y arriver. C'est une communication qui va arriver rapidement ou sinon c'est vous qui allez devoir répondre rapidement. Il y a une personne qui arrête de lutter, qui vous laisse enfin tranquille. Ouais, et l'as de, le monde représente le valet de denier, l'as de denier. Une opportunité matérielle, une certaine abondance, quelque chose de matériel et de tangible vous est offert. Il y a une personne qui arrête de se battre, qui arrête de lutter contre vous parce que c'est une personne qui se rend compte qu'elle ne peut pas. Qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée. Ou ça peut être simplement une personne qui légalement se rend compte que vous gagnez quelque chose malgré le fait que cette personne essaie de créer des conflits, des difficultés, de la discorde. Des disputes ou peu importe ce que c'est. Et cette personne, c'est pas quelqu'un qui abandonne parce qu'elle est heureuse, c'est quelqu'un qui abandonne parce qu'elle en peut plus. Peut-être qu'elle est fatiguée ou elle a plus les ressources pour pouvoir se battre ou la justice lui fait comprendre que se battre ça sert à rien peut-être, quelque chose comme ça. Ou ça peut être une personne qui décide simplement de faire quelque chose qui est juste, mais la mort dans l'âme. Ok, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, normalement, c'est une communication que vous allez recevoir concernant un contrat ou un choix que vous allez devoir faire. Le fou, le 9 d'épée, pourquoi ? Le 7 de denier. T'as fait le 9 d'épée ? L'étoile à l'envers et le soleil à l'envers, ouais. Il y a une personne qui se libère de quelque chose, d'un investissement matériel, et c'est une personne qui se prend la tête. Ça peut être le genre de personne qui pleure tous les soirs, qui se dit « Oh mon Dieu, c'est pas possible ». Le 9 d'épée, c'est un cauchemar sans fin, surtout mentalement. On a l'étoile à l'envers, quelqu'un qui perd espoir, le soleil à l'envers, quelqu'un qui n'a pas de réussite, quelqu'un qui ne va pas vers la réussite et le succès, ou quelqu'un qui n'arrive pas à voir la lumière concernant peut-être certains investissements financiers. Quelqu'un qui doit se libérer de quelque chose qui lui prend la tête, qui est difficile, surtout au niveau financier. Et c'est une personne qui perd totalement la foi, là, qui n'y croit pas du tout. On a eu la force à l'envers, l'étoile à l'envers, le soleil à l'envers. Ça peut parler d'une personne qui n'est pas soutenue par l'univers et par le divin. Et ça peut être une personne aussi qui n'a pas la foi et qui n'y arrive pas et qui n'a plus l'énergie de se battre. C'est quelqu'un qui doit se libérer de quelque chose. Que ça soit vous, inversement, il y a une personne qui... Vous savez si c'est vous, parce que quand on est dans le 9 d'épée, on sait qu'on est dans le 9 d'épée. Pourquoi ? Parce que le 9 d'épée, c'est mon Dieu... j'ai l'impression que mon monde part en live. Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis... on sait, quand on est dans le 9 d'épée, c'est mentalement une prison. C'est pire qu'une prison, c'est tout perdre et regretter des choses et devoir faire des compromis ou se prendre la tête énormément, ne pas réussir à dormir le soir, ne pas réussir à avoir la paix de l'esprit. Et ça peut parler de certains investissements financiers, ou si ce n'est pas certains investissements financiers, ça parle de quelque chose que vous avez créé, quelque chose que vous avez fait, et vous recevez le fruit de votre travail, on va dire, vous recevez ce que vous avez semé. Et apparemment, ce que vous avez semé, ce n'est pas forcément, si c'est vous, quelque chose de positif, ça n'a mené à rien du tout, et ça peut faire un certain temps que vous, que vous travaillez au niveau de cet investissement, ça peut faire une dizaine d'années, 7 ans, plus ou moins, et vous devez vous en libérer. Il y a une décision qui doit être prise. Ou si ce n'est pas vous qui devez vous en libérer, c'est cette personne. Les amoureux. Ah, et là, j'ai l'impression que tout ça, là, ça part d'une personne avec la science qui a dû réfléchir longtemps et durement et pendant un bon moment. Ce n'est pas une personne qui a pris une décision dans la vie, c'est une personne qui peut-être a tout donné pour son entreprise, tout donné pour gagner et ça ne marche pas. Les amoureux.
la roue de la fortune, la lune, le jugement. Ouais, ça c'est pas, ça parle de en aqua. Taureau, Verseau, Scorpion, Lion, Cancer, Sagittaire, Gémeaux. Il y a une chose que c'est une chose que vous ne savez pas. Il y a une décision qui a été prise, que ça soit légalement ou par cette personne, peut-être concernant un foyer, ou si c'est pas concernant un foyer, c'est une personne qui a pris une décision, qui a pris une décision de changer certaines choses, mais vous ne le savez pas encore. Ça peut être par rapport à un contrat ou un choix que vous allez devoir faire, et c'est un tournant. C'est pas étonnant de voir ça. Avec la pleine lune qu'on va voir le 15, c'est vraiment pas étonnant. Pour la pleine lune du 15 et pour la fin du mois de novembre, certains vont devoir s'attendre à tout perdre et d'autres vont avoir le choc de gagner des choses qu'elles souhaitent depuis un certain temps et qu'elles vont avoir. Et ça va être pour la majorité des changements brusques et tout le monde aura besoin de s'adapter. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Le jugement, la lune, la roue de la fortune, le fou, le 9 d'épée, le chariot et le 8 d'épée. Ça signifie que c'est vous qui allez vous prendre la tête. Vous allez vous demander qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller. Vous êtes sur le point de prendre un risque. Mais on a le chariot qui est... Non, c'est pas pareil. Parce qu'on a deux... À chaque fois qu'on a une carte positive, on a une carte négative. Donc c'est possible que ça soit deux énergies différentes. Il y a une personne qui prend un risque et qui va bien dans la bonne direction et qui avance, et une personne qui va en prison, qui se prend la tête. Parce qu'on ne peut pas avoir ça, ça. C'est pas possible d'avoir à chaque fois... C'est pas possible. Parce que le fou, c'est pas quelqu'un qui se prend la tête du tout. Ou sinon, c'est que vous avez fait un choix, vous avez signé un contrat qui fait que vous avez pris un risque, et oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça veut dire, le 8 et le 9 d'épée pour vous? Non, la force, c'est pas vous. La force, c'est le chevalier de coupe. Donc dans ce cas-là, enfin, à vous de voir. On a une personne qui perd toute son énergie et qui n'en peut plus, et une personne qui se sent libérée, épanouie et heureuse. Vous avez, avec la force et le chevalier de coupe, la personne qui se prend la tête là ou qui risque la prison, c'est quelqu'un qui va devoir vous faire une offre parce que vous êtes plus fort qu'elle. C'est parce que c'est une personne qui est dans la force à l'envers, quelqu'un qui ne peut plus se battre, n'a plus l'énergie, qui abandonne et qui peut plus lutter contre vous. Ça peut être quelqu'un qui est lion, on a pratiquement tous les signes là, plus particulièrement un cancer aussi, mais ça peut être simplement un contrat, ça peut, les amoureux, la lune et le chariot, ça peut être simplement un contrat au niveau d'une maison ou quelque chose comme ça. Vous allez recevoir une proposition parce que vous avez lutté. Si vous n'avez pas lutté, dans ce cas-là, ce n'est pas pour vous. Mais pour ceux qui vont recevoir une proposition concernant un contrat ou un logement, c'est que ça fait un bon moment que vous luttez pour que cette chose arrive. Et il y a une personne qui finit enfin par abandonner. Vous allez pouvoir partir de là ou emménager ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas une décision que vous... Ce n'est pas une décision qui a été prise ou un jugement qui a été fait. Vous ne le savez pas. Soit parce qu'il y a quelqu'un qui doit aller en prison, soit parce que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour pouvoir faire ce choix. Et en gros, ouais, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui fait un choix à la mort dans l'âme et qui ne vous l'a pas encore communiqué. Peut-être quelqu'un qui s'attend à ce que les choses changent à la dernière minute, mais je n'ai pas l'impression que ça a changé quoi que ce soit. C'est plutôt quelqu'un qui se rend compte que mince, je n'arrive pas à m'en sortir. Le chariot et le fou. L'étoile et l'ermite, le chariot et le fou. Ça peut être le divin et l'univers qui sont avec vous. Le chariot, il y a quelque chose qui change vraiment dans tout. C'est comme si vous aviez une porte qui s'ouvrait ou quelque chose qui change, et c'est comme une chance donnée par l'univers. C'est quelque chose qui fait qu'une porte s'ouvre de toute façon pour vous et rien ne peut stopper ça. Il y a une personne qui se rend compte qu'il ou elle, qu'elle perd énormément. Quand une porte s'ouvre et vous apporte l'espoir, la réussite, la libération, un changement positif, il y a une personne, c'est comme les deux facettes d'une médaille. Il y a une personne qui, elle, à l'instar, est dans une sorte de conflit mental énorme. C'est pas quelque chose qu'on peut changer, ça.
il y a une décision qui a été prise légalement, au niveau céleste, peu importe, ou même limite, ça peut être cette personne. C'est une décision qui est là pour durer, sauf que vous ne voyez pas encore ça. Il y a quelque chose qui fait que vous allez vous sentir libre et épanoui. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir peut-être déménager. C'est plutôt positif, hein. C'est un choix que vous allez devoir faire ou un contrat que vous allez devoir signer. Vous avez besoin d'avoir la foi et d'écouter votre intuition. Ne pas laisser les gens vous faire changer d'avis. Ça parle de quelqu'un qui écoute sa voix intérieure. Et c'est ce que vous devez faire. Vous ne devez pas écouter les autres, écouter votre intuition. Si votre intuition vous dit oui, sans que vous ne compreniez pourquoi, c'est oui. N'essayez pas de savoir pourquoi c'est oui. Prenez la décision que vous dicte votre intuition. N'essayez pas de réfléchir à savoir pourquoi je... Et comme je dis, l'intuition, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas quelque chose qui fait que vous vous insistez. C'est quelque chose que vous savez instinctivement. Un truc qui fait que vous avez la réponse et vous sentez que c'est une bonne chose. Un peu comme ce feeling que vous avez quand vous rencontrez certaines personnes. Vous savez automatiquement, vous ressentez cette personne. Il y a une énergie qui fait que vous savez si c'est une personne à laquelle vous voulez parler ou si c'est une personne que vous allez vouloir dégager. Peu importe. On a toujours ce savoir interne et plus on l'utilise, plus ce savoir interne devient fort. Et ce n'est pas quelque chose qui est dicté par les émotions, ce n'est pas quelque chose qui est dicté par le mental, c'est quelque chose que l'on sait et on ne sait pas d'où ça vient, ça s'appelle l'intuition. Vous avez besoin d'écouter votre intuition et d'avoir la foi, de vous laisser guider par les étoiles. Qu'est-ce qu'on a pour le 6 de coupe ? Le 7 d'épée. Le magicien. Le valet des épées. Et le 10 de coupe. Ouais, il y a une personne qui prend la fuite, qui s'éloigne. Soit pour protéger sa famille. Ou sinon, c'est une personne, comme j'ai dit, qui s'éloigne, qui abandonne un environnement. Le 6 de coupe, c'est pas juste la nostalgie, c'est aussi un environnement qui est protégé, plein d'innocence, de douceur. Un environnement où les enfants peuvent jouer en sécurité. Une maison agréable. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui... Si cette personne s'éloigne, c'est pas une personne qui s'éloigne et qui regarde devant, c'est une personne qui s'éloigne avec beaucoup de nostalgie. Je m'éloigne, mais je regarde derrière quand même. Je m'éloigne, mais... Ça peut être aussi une personne qui a de mauvaises intentions, parce que le valet des épées, ça peut être un ennemi caché, quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui n'a pas vous laissé partir comme ça. La fille, le valet des épées, le jugement. Moi, il y a une décision qui est prise et il y a une personne qui n'accepte pas. Le 3 de coupe. Il y a des gens qui sont heureux. Ou sinon c'est la justice qui est la tierce, l'énergie tierce. Donc ça peut être une décision qui n'est pas prise par vous, qui n'est pas prise par cette personne, mais qui est prise par la loi, la justice, d'où la tierce personne. Le soleil, ouais. Il y en a qui vont recevoir un message qui est très positif, mais vous allez avoir un ennemi caché dans tout ça. Ou sinon c'est simplement la loi qui vous protège. Clarifie le 10 de coupe. La tour... La reine de bâton, le 5 de denier, la lune. Que signifie... Pourquoi le 5 de denier? Quelque chose de choquant. Le chevalier du denier. Que vous apporte la tour? Le 4, la sécurité. Donc ouais, il y a une personne qui... La tour vous apporte le 4 de denier. Donc la sécurité, la stabilité financière. Et à l'inversement, il y a une personne qui financièrement perd beaucoup et va vers la pauvreté, ça. Le chevalier de denier, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, mais ça peut être aussi financièrement un énorme ralentissement. Avec le 5 de denier, c'est quelqu'un qui perd énormément, financièrement au niveau matériel. Et la tour vous apporte la sécurité. Donc à vous de savoir où est-ce que vous situez, mais il y a quelque chose de choquant qui va arriver peut-être durant la saison des scorpions ou peut-être même durant la saison des béliers, qui sait. Qui va ralentir drastiquement les finances d'une personne pendant qu'une personne va avoir la stabilité matérielle. La lune, et c'est pas quelque chose que l'on voit encore. Et ça peut être littéralement par rapport à un logement, une maison, ou par rapport à une maman. Que signifie la lune pour vous? Qu'est-ce qui vous est caché par la lune?
Le fou. Vous allez être libre. La reine des épées. Il y a une décision qui a été prise. Et il y a quelqu'un qui doit vous faire une proposition. Et ce n'est pas une personne qui a envie de vous la faire. Ou ce n'est pas une personne qui vous la fait avec plein de confiance. Que signifie le 7 d'épée? Le 5 de bâton. Ouais, quelqu'un qui fuit les conflits. 5 de bâton, le 3 de denier, le chevalier de bâton. C'est une personne qui fuit les conflits. Et qui trouve un moyen de collaborer rapidement. Le magicien? Non, ouais, le magicien, c'est la justice et l'as de bâton. Donc le magicien, Mercure. Le magicien, c'est la loi dans ce cas-là. La science, l'univers. C'est pas juste... J'ai l'impression que la décision n'est même pas... Soit il y a quelque chose de spirituel qui fait que les choses changent en votre faveur, soit c'est juste légalement, les choses vont en votre faveur et personne n'a rien à dire. Quelqu'un va vers un nouveau départ et c'est juste, c'est décidé. Il y a une personne qui peut-être crée des conflits, des difficultés avec d'autres personnes, des personnes plus jeunes que vous. Et c'est une personne qui doit abandonner tout ça. Il y a quelqu'un qui n'a vraiment pas de bonnes intentions, qui n'en avait pas, et qui vous a mis dans une situation qui était vraiment délicate pendant un certain temps, j'ai l'impression. Ça peut être au niveau du travail, au niveau d'un logement. Ça peut faire pratiquement une dizaine d'années que vous êtes dans une situation délicate avec quelqu'un, et c'est enfin la fin. Il y a quelque chose qui fait qu'au niveau universel, ou au niveau, il y a un changement intense qui se fait, et personne ne peut lutter contre. Pour certains, vous allez avoir une ouverture. Pour certains, vous avez peut-être fait aussi un rituel pour que les choses changent, aillent en votre faveur. Pas forcément un rituel pour forcer les choses, mais surtout si vous savez que votre intuition vous dit que les choses doivent aller en votre faveur, mais vous savez que vous avez des blocages ou autres. Il y en a, vous avez peut-être fait appel à Papa Legba, ou vous avez peut-être... Il y a un rituel que vous avez fait pour que les choses soient débloquées, vous avez mis toute votre foi dans ce rituel. Faire en sorte que la justice soit faite. Et là, je ne parle pas de personnes qui pensent que ce qu'elles veulent obtenir, c'est juste, mais des personnes qui savent qu'il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de difficultés, beaucoup de blocages, et vous avez sûrement fait un rituel avec toute la foi que vous avez fait tout le rituel avec foi, et ça fonctionne. Par rapport à une personne malicieuse et menteuse qui crée des conflits, qui trouve les moyens de s'associer avec d'autres personnes pour vous donner... Vous sortez de loin pour certains, vous sortez de loin parce que les personnes auxquelles vous faites face, déjà d'une, il n'y a pas qu'une seule personne, pour pouvoir vous terrasser... Il a fallu plusieurs personnes se sont associées pour pouvoir vous terrasser, ça ne marche pas. Et là, j'ai l'impression qu'au final, de toutes ces personnes, il y a une personne qui résiste et cette personne qui se rend compte que ce n'est pas la peine. Donc ça veut dire que vous êtes extrêmement protégé. Parce que si quelqu'un a dû s'associer avec d'autres personnes pour vous terrasser, que maintenant cette personne se retrouve seule et n'en peut plus, c'est que vous êtes extrêmement protégé. Vous savez pouvoir enfin avoir la paix pour certains. Le 6 d'épée. Le valet de coupe. La force et le jugement. Encore une fois. Hein. Vous allez pouvoir avoir la paix après les difficultés. Parce que le 6 d'épée, c'est après le 5 d'épée. Donc, c'est pas... excusez-moi. C'est pas une situation qui a été facile du tout. C'est le fait que vous ayez résisté pendant un bon moment qui fait que vous avez une chose qui va en votre faveur. Mais ça demande énormément de temps, énormément d'années aussi, beaucoup de résistance. Le jugement. Il y a une personne qui décide de vous laisser tranquille, de partir. Le valet des épées, ouais. Une personne qui, comme je l'ai dit, soit c'est une affaire en justice et la personne n'a pas son mot à dire, soit c'est simplement une personne qui fait ce qu'il y a parce qu'elle ne peut pas lutter contre vous, mais qui ne le fait pas avec gaieté de cœur, qui le fait en regardant derrière. Ou qui le fait aussi peut-être pour protéger aussi sa famille, surtout si vous avez peut-être fait appel à Papa Legba ou Papa Legba pour ouvrir la porte et d'autres personnes pour pouvoir vous protéger. C'est une personne qui, si elle a fait de la magie, qui récupère exactement ce qu'il ou elle vous avez parce que vous êtes énormément protégé. Donc là, c'est quelqu'un qui est très sur la défensive pour sa famille. Parce que des fois, quand on fait des choses malicieuses et qu'on a une famille, des enfants, tout ça...
ça ne touche pas seulement nous qui faisons certains rituels. Si vous faites des rituels dans le but de nuire à quelqu'un, ça nuit aussi à votre famille, à l'harmonie de votre famille, votre couple, vos enfants. Donc là, pour certains, si vous avez fait quelque chose de négatif ou si cette personne a fait quelque chose dans le but de nous nuire, de vous nuire, soit cette personne se rend compte que vous êtes extrêmement protégé, mais c'est une personne qui commence à se rendre compte qu'il y a des répercussions sur sa famille et son bonheur aussi. L'étoile et le roi de bâton, quelqu'un de déterminé mais qui perd la foi et qui est là déterminé à protéger. C'est une personne qui prend une décision pour protéger sa famille ou le peu qui lui reste. Clarifie, ou sinon si c'est pas cette personne, c'est vous qui êtes dans cette énergie d'ambition, de foi, malgré le fait de ne pas voir où est-ce que vous allez, et de protéger votre famille, de protéger quelque chose que vous souhaitez. Et il y a une décision qui est prise. La force, c'est quoi? Le jugement, ouais. Votre ténacité a fait qu'une décision va en votre faveur. Là, c'est le même message qui se répète, vous allez pouvoir aller vers la paix après une longue bataille et intense. Et pas, vous êtes peut-être une personne qui s'est battue contre 3, 4, 5 personnes. Pour l'instant, le message, il n'est pas encore arrivé, mais vous allez le recevoir avec le pendu. C'est en suspens, pourquoi? En même temps, c'est la justice, donc avec la justice, hein, la reine, l'impératrice. Soit c'est en suspens par rapport à une figure paternelle, soit c'est simplement un changement vous allez recevoir un changement, un message qui va parler d'un changement. Et ça va être une certaine abondance pour vous. L'impératrice, ce n'est pas juste une abondance financière, c'est aussi la possibilité d'avoir la paix, l'harmonie, le confort. Ce n'est pas juste j'ai beaucoup d'argent, l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi la douceur, la stabilité, la sensualité pour certains. L'impératrice, c'est quelqu'un qui s'est battu contre vents et marées et qui est passé par toutes les phases de la reine et qui a mérité son statut d'impératrice. Ça, c'est vous qui méritez votre statut. Parce que vous avez donné tout ce que vous pouvez, vous allez enfin pouvoir vous reposer, avoir la paix et apporter de la douceur, avoir de l'harmonie, le confort, la stabilité, la protection aussi. Ça arrive. Que vous soyez taureau, balance ou une figure maternelle ou autre, ça vient, ouais, le soleil, la réussite. Vous avez tout donné pour que... Vous avez, il y a du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. Vous avez donné beaucoup, beaucoup d'actions pour obtenir ça. Vous pouvez être fier de vous parce que ça n'a pas été une bataille très facile du tout. Surtout que j'ai l'impression que vous avez eu plusieurs... Vous avez une personne qui est le personnage principal qui crée des conflits, mais c'est une personne qui a dû s'associer avec beaucoup d'autres personnes pour essayer de vous terrasser, ça n'a pas marché. Et maintenant, cette personne se retrouve seule et se rend compte que, punaise, j'ai fait appel à un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. On s'est associé, on a fait ceci, ceci, cela, ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, je suis seule et j'ai plus l'énergie de pouvoir me battre. Et je dois faire une proposition, apporter quelque chose à cette personne. Et ça peut être aussi cette personne qui est forcée légalement, ces personnes qui est forcée légalement de vous faire cette proposition. Ok, on va voir ce qu'on a pour la suite. Mais ouais, avant d'avoir dit oui ou d'avoir de proposer quoi que ce soit, c'est une personne qui a pris un certain temps avant. C'est une personne, ça se trouve, ça fait au moins un an ou deux que cette personne se prend la tête à savoir comment faire, quoi faire, comment vous terrasser, comment faire des plans, avec qui s'associer, quoi semer devant votre porte, quoi faire pour que vous puissiez perdre. Et au final, c'est une personne qui se rend compte que vous êtes beaucoup trop résistant. Mais spirituellement, ou en tout cas au niveau universel, il y a aussi une aide ou une sorte de vent, de flot cosmique qui fait que les choses vont en votre faveur et personne ne peut lutter contre ça aussi. Il n'y a pas juste... Il y a quelque chose d'incompréhensible qui fait que non seulement cette personne... C'est comme le bon moment, en fait. Cette personne perd toute son énergie.
Imaginez une situation cosmique comme celle-ci. Cette personne perd toutes ses finances et son énergie de lutter contre vous parce qu'elle n'en peut plus, ça fait des années, ça ne marche pas. Vous avez la loi aussi qui condamne ou qui force cette personne à prendre une décision en votre faveur, mais vous avez aussi le divin et toute l'énergie cosmique qui conspire pour pouvoir vous permettre d'avancer. Vous voyez ça comme ça, en gros, tout va en votre faveur et rien ne peut stopper tout ça. C'est peut-être un rappel aussi pour certains, quand vous allez obtenir ce pourquoi vous luttez, de ne pas oublier de faire un don, que ça soit une petite bougie comme celle-ci avec une prière. Mais personnellement, moi j'aurais tendance à vous dire, quand vous avez des difficultés comme celles que vous avez lutté pendant un certain temps, prier, fait des rituels, peut-être que vous êtes allé devant la loi, j'aurais tendance à vous dire d'acheter les bougies de Nevelle, les bougies sanctuaires, et de vous mettre à genoux chaque matin et chaque soir pour dire merci, parce que ça là, c'est pas quelque chose qui arrive souvent ça. Ça c'est quelque chose qui demande beaucoup de respect, qui demande beaucoup de gratitude, et quelque chose qui dit, tu sais quoi, je m'en remets à Dieu, et chaque matin et chaque soir, je fais une prière de remerciement parce que j'ai obtenu quelque chose que je souhaite, ou j'ai pu avoir l'énergie de me battre. Surtout si vous regardez en arrière et que vous vous rendez compte de tout ce que vous avez pu surmonter, vous n'avez pas surmonté seul ça. Vous n'avez pas été seul à surmonter autant de difficultés. Il y a une énergie et il y a le divin, votre ange de naissance peut-être qui ont été là pour vous accompagner, même si c'était difficile. Il ne faut pas oublier qu'on a le libre arbitre aussi. Donc des fois, on n'écoute pas forcément nos anges, on n'écoute pas le divin, ce qui fait qu'on se met dans des situations qui sont pires. Mais toujours est-il que pour certains qui sont concernés par ça, vous avez été protégé tout le long et vous sortez de loin. Donc la meilleure des choses, c'est de faire une offrande, que ça soit aller à l'église, si vous allez à l'église, offrir une bougie comme celle-ci, ou une bougie, comme je dis au mieux, une bougie sanctuaire pour remercier. Parce que vous sortez de loin et c'est pas seul. Ok, donc on a don à Dieu. Il faut se débarrasser de cette idée du « mien », entre guillemets. La liberté apparaît lorsque l'on commence à dire « l'argent », entre guillemets, la relation, entre guillemets, le travail, entre guillemets. C'est quand on ne s'accroche pas aux choses que l'on prend les bonnes décisions. Seigneur, libère-moi de la prison du « mien », entre guillemets. Et ça, c'est peut-être aussi la personne face à vous qui s'est accrochée à quelque chose et qui se laisse aller maintenant, qui dit, tu sais quoi, j'en peux plus, je laisse aller, et cette chose, elle ira à la personne qui la mérite. Et vous avez vu, vous avez un tas d'arbres aussi, là, donc c'est pour la longévité. Tant que vous ne coupez pas l'arbre pour en faire quelque chose, ça va durer. On a argent. Toutes mes finances sont désormais en ordre divin. L'amour lui-même connaît mes besoins et est à l'origine de tout. Je ne dois ni succomber à l'appât du gain, ni craindre les pertes. Tout offrir au divin répondra à chacun de mes besoins. Ça, c'est vous qui devez avoir la foi que peu importe la situation, les choses iront en votre faveur. Peu importe les difficultés financières, tout viendra au bon moment. Et les choses, vous aurez la possibilité d'avoir financièrement la stabilité ou tout ce dont vous avez besoin quand vous en aurez besoin. Un peu comme des fois, vous voyez, vous priez si vous avez des problèmes financiers ou autres, et vous vous rendez compte que vous recevez une somme d'argent, juste ce qu'il faut pour payer une facture. Vous ne recevez ni plus ni moins, juste ce qu'il faut pour, je ne sais pas moi, payer une facture, et que ça soit, je ne sais pas moi, une facture pour maintenir de la lumière, garder de la lumière chez vous, ou payer une facture pour peu importe ce que vous devriez payer, mais quelque chose d'important. Vous vous rendez compte que vous avez prié pour demander au divin de vous aider parce que financièrement c'est difficile, et vous avez la juste somme, allez, peut-être à 4-5 euros de plus, qui vous permet de payer la facture. Vous êtes là, waouh, merci Seigneur. Un peu ça en fait. Ne soyez pas, n'ayez pas envie d'avoir un tas d'argent, ayez envie d'avoir juste ce dont vivre avec subsistance. Parce que beaucoup de personnes oublient que l'argent, c'est pas le but en soi. Malheureusement, on vit dans un monde où on a besoin d'argent. L'argent, c'est ce qui permet d'avoir une certaine liberté. Le but, c'est pas d'avoir un maximum d'argent. Le but, c'est d'avoir la liberté qui accompagne l'argent, en fait. Les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça fait le bonheur si on sait ne pas s'accrocher à l'argent comme en étant obsédé ou ce genre de choses. On a le 4 de denier et le chevalier de denier. Quelque chose qui arrive maintenant, mais sûrement une certaine sécurité. Et ça peut parler d'une maison, d'un environnement où vous allez pouvoir avoir la paix, l'innocence, la douceur. Ça peut être quelque chose de positif pour vos enfants. Mais surtout, ne faites pas l'erreur de vous accrocher au matériel. Vous risquez de tout perdre.
quand vous vous accrochez au matériel et aux apparences, c'est quand ça devient important pour vous et c'est quand vous commencez à faire des bêtises. Apprenez à vivre avec subsistance, apprenez à avoir une certaine stabilité, mais apprenez aussi à ne pas en vouloir trop avoir, ne pas vouloir trop en fait. Apprenez à avoir un peu comme à l'époque de nos grands-parents qui avaient la possibilité d'avoir leur maison et leur jardin. Dites-vous, ok, tu sais quoi, j'ai une maison qui est à moi, si vous avez ça, ou une entreprise, ou un jardin qui est à moi. J'ai peut-être pas la richesse, mais j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai la possibilité de planter des fruits et des légumes et d'en prendre soin, de récolter et d'avoir juste tout le confort en fait. Parce que vous pouvez avoir tout ce confort, mais si vous êtes le genre de personne qui en demandait toujours plus, vous allez être insatisfait, du coup vous n'allez pas apprécier le cadeau qui vous est donné qui est là. Et le cadeau, ça peut être littéralement la possibilité d'avoir la paix, l'innocence et une maison rien qu'à vous. Quelque chose de matériel et de tangible qui a pris un certain temps pour arriver. Le hiérophant et le 4 de coupe. Une proposition qui vient du gouvernement, d'une institution, quelque chose de légal. Parce que le hiérophant, c'est un juge. Hein. C'est Dieu, c'est un juge, c'est l'institution, c'est la légalité. Ça peut être taureau. Et la lune du 15 sera en taureau, une proposition qui va vous apporter la stabilité, la douceur. La lune qu'on va avoir, elle sera en taureau. Donc, ça veut dire que la lune, je le redirai dans la vidéo de... pour la lune que je vais faire, que je vais poster lundi. La lune sera dans le taureau, donc dans son signe d'exaltation, c'est-à-dire que la lune va apporter le meilleur d'elle-même. Et dans le signe du taureau, ça parle de sensualité, de douceur, de protection, de stabilité matérielle, d'abondance. Tout ça, vous risquez de le recevoir sous peu, hein, d'ici la pleine lune ou d'ici la fin du mois. C'est un changement qui s'opère pour beaucoup et c'est quelque chose qui va vous apporter la stabilité matérielle et la stabilité émotionnelle aussi. Ne soyez pas complaisant, ne demandez pas plus, soyez heureux de ce que vous allez obtenir parce que ça sera beaucoup. Et pour certains, si vous n'êtes pas heureux ou accompli de ce que vous obtenez, vous allez tout perdre parce que vous allez montrer que vous êtes ingrat. D'accord ? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous pour ce dimanche 10. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end prolongé et je vous dis donc à demain. Bye.